Place to go. Have no place to go. Darling, have no place to go. Have no place to go. Ben en fait, ça fait comme 30-40 minutes qu'on est levé. Puis là, on s'est préparé. Puis là, on s'en va déjeuner au Cora parce qu'il y a un Cora juste en dessous de notre hôtel. Et c'est Camille qui écoute Drop Dead Diva. Puis Laurence est dans la salle de bain. Puis elle est en train de se préparer. Laurence, comment ça se passe? Salut! Une chance que je t'habille. Ouais. Laurence, c'est juste. Ça va pas ouvrir la porte. Ouais, c'est ça. J'ai comme un petit d'habitude, ça ouvre la porte. C'est assez. Donc voilà. On va aller déjeuner au Cora. Et on se voit tantôt. Ce que tu penses pour toi, qui ou face ce sans importance, laisse décider la chance, cesse de demander pourquoi. Alors on peut dessiner des mots d'amour, du bout des lèvres, on peut siffler. On est au Café des Beaux en ce moment, c'est pour ça que j'essaie de pas trop parler fort. Et on vient juste d'aller interviewer Jean-Philippe Dion et Anouk Meunier. C'était vraiment le fun, pour vrai, on s'est vraiment amusé. On a ri, c'était vraiment, vraiment intéressant aussi, c'était drôle. Puis là, c'est ça, en fait, on a une entrevue à 3h avec Camille Léger. Fait qu'on est venu manger un petit morceau avant d'y aller. La côté. Donc, c'est ça. La côté. Laurence, comment as-tu trouvé ton entrevue? Vraiment, vraiment le fun. J'ai un peu endormi au début, puis à la fin, ils m'ont dit que j'avais plus 3 Red Bull. Ils sont vraiment énergiques, ça s'est très bien transmis. Puis c'était vraiment fun. Mais ouais, fait que je pense qu'on a vraiment... On a vraiment apprécié notre entrevue, c'était vraiment on fun. Voit pas. Ça nous a donné encore plus le goût de faire ce qu'on fait, en fait. Mm. Puis c'était inspirant, motivant, c'était drôle, c'était... Énergique. C'était vraiment le fun. Puis là, on s'en va avec Camille Léger, qui est vraiment une fashionista. Fait que j'ai vraiment hâte aussi, parce que je l'admire un peu, cette personne. Elle est vraiment créative, vraiment... Donc voilà. Oui. On est devant la porte de Camille et qu'on parle pas trop fort. Parce que si on nous entend, on a de l'air. Ouais. Une demi-heure d'avance. Fait qu'on s'en va rencontrer Camille déjà. Quand le soleil se lève, on peut laisser ses mots crever dans sa bouche et pleurer comme un bébé quand le soleil se couche. Choisir un camp.